right, here we go. Guys, how exciting is this? Come on. Ces milliards lui ont permis de s'offrir plusieurs jets ou de faire construire un yacht voilier gigantesque. Ils vont désormais lui donner cette vue imprenable dans son propre vaisseau spatial. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, vient d'annoncer qu'il s'envolerait dans l'espace le mois prochain à bord du New Shepard, le vaisseau de sa compagnie Blue Origin. Voir la Terre de l'espace, ça vous change un homme. Ça change votre rapport à la planète, à l'humanité. Il n'y a qu'une planète Terre. Je veux faire ce vol parce que c'est un rêve d'enfant. C'est une aventure qui représente beaucoup pour moi. Le vaisseau a déjà volé, mais en pilotage automatique. Jeff Bezos est si confiant dans son projet qu'il sera le premier à le tester pour un vol humain. Il sera accompagné d'un équipage de pilotes et d'astronautes, d'un passager payant après une vente aux enchères, et a proposé à son propre frère de venir aussi. Je veux que tu viennes avec moi. T'es sérieux? Oui, ça compte pour nous. Je veux que mon frère soit là. Mais vraiment? Oui, si tu le veux. Il y a 20 ans, l'Américain Dennis Tito avait été le premier milliardaire touriste dans l'espace. Aujourd'hui, la révolution est que les géants de la Silicon Valley y vont avec leurs propres engins. Elon Musk a raflé les contrats avec la NASA, mais son rival Jeff Bezos devrait donc le coiffer au poteau pour voler lui-même en orbite. Richard Branson devrait lui aussi réaliser son premier vol dans quelques mois. Et pour décembre prochain, le milliardaire Jared Isaacman a acheté un vol SpaceX complet. Il s'envolera avec 3 autres passagers et sera le premier commandant privé de mission spatiale, sans aucun astronaute professionnel à bord.